Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mondouze Bellicus, cité forum francophone de jeux d'histoire, de stratégie et de tactique. C'est Long Petit Patapon et aujourd'hui c'est un nouvel épisode de la campagne Mondouze Bellicus versus The Invaders numéro 2 sur le jeu Xenonauts. Alors désolé, la semaine dernière, pas d'épisode parce que tout simplement mon micro-enregistreur était défaillant, était en panne, j'avais renversé de la bière dessus, voilà, dans une soirée, dans un bar. Enfin bref, le voilà réparé. Et nous revoilà à la castagne. Donc l'épisode précédent, vous vous rappelez, on avait eu un mort. Et ben on essayait de trouver des aliens qui se sont égarés dans la nature après avoir visité le vaisseau spatial. Allez, la soucoupe. On avance donc. On va voir ce qui se passe par là. Toi, on va t'avancer ici. Toi, on va t'envoyer là pour essayer de nous nous couvrir sur le côté. Tu viens là pour le moment. Ok, fin du tour. Il est là. Sam, tu le verrais, mais ouf. Allez, feu. Il est en hauteur, cet enfoiré. Il va donc nous casser les murs. Et toi, est-ce que tu le vois? Oui, aussi. Un peu loin quand même. Feu quand même. % de chance de le toucher. Dans ta chance. Ah mais je t'ai tiré en rafale comme un con. J'ai fait tirer en rafale, merde. Allez, feu. Bien là. Pas très malin ce que j'ai fait. Et toi, est-ce que tu ne vois le tireur d'élite? Il y
Allez, feu! Que blessé! % de chance, 2%, tente le coup. Allez, feu quand même. Une chance sur 100. Eh, pas loin, hein. Ok, fin du tour. Ah, il y a un civil qui s'enfuit. Mon tireur d'élite, tu es là. Allez, feu. Même pas mort. Feu. La bonne blague, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, on va l'explorer par là quand même. Tu y as là. Et toi, Sam? T'es pas loin de nous quitter, mon ami. Alors attends, on va te soigner. Faudrait pas que tu meures. Ta belgitude nous manquerait. Déjà qu'elle nous manque sur le forum. Alors, peut-être l'amener ici tout neuf. Non. Allez, bouge pas, c'est bon. Allez, fin du tour. Fin du tour. Le civil qui se barre. Allez, on avance. N'y a pas l'air d'y avoir grand-chose là. Là qui se planque. Ok. Viens là, toi. Le fourreur, tu viens là. Zam, ici.
Il reste celui-là à bouger, je vais peut-être l'amener là. Et mon tireur d'élite. Allez, viens là. Fin du tour. Ok, là y a rien. Je crois que je vais attendre de bouger ici, que cela soit avancé jusque là. Ouais. On va rester comme ça. Pour le moment. Ah, j'aurais peut-être pu avancer mon tireur d'élite ici. Enfin bon. Facile cette map hein, quand même là, cette mission hein. Allez, approche-toi là. Je fasse gaffe à Exam parce qu'il a pas beaucoup de vie lui non plus, il est un peu comme Benoît. Pardon, faut que je fasse gaffe aussi dans les étages. Ça serait bien que ce civil y meure pas. Mais ici déjà. Ça, on va regarder ce qu'il y a. Ah! En hauteur, je parie qu'il est.
Et ouais, il est en hauteur, cet enfoiré. Ah, j'aurais dû rester là, je le voyais peut-être avec mon tireur d'élite. Mal joué. Enfin, que tu gagnes un peu en vitesse, Nemo. Hop, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu as une possibilité de tir? Aucune. Et toi? 7%. Ah Benoît, j'ai planqué. J'ai planqué, j'ai planqué, j'ai planqué. Allez, fin du tour. Il est où? Au-dessus, au-dessus, donc. Il doit être au-dessus. Il doit être juste au-dessus, là. Yes, en plus, c'est mon tireur d'élite qui le voit. 27 points. Toi aussi, tu le vois? Eh bien alors arrose. Ouf! Alors, qu'il est en action, Nijato. Promu-lieutenant. Sloverkent. Promu-sergent Storm 49 nattes. Promu-lieutenant Zam avec une petite médaille. Order of Gallantry. Puissant bravoure. Awarded for elimination of 5 extraterrestrial units in combat. D'accord. Nemo, tu montes caporal. Le fourreur, capitaine. Mes respects, le fourreur, mes respects. Conqueror, caporal. Ok. Et là, qu'est-ce que t'as gagné là? Blessé, je crois. Puissant en bravoure, oui. Pour avoir souffert de lourdes blessures, tu m'étonnes. T'es blessé pour 8 jours. Ok, on a gagné 63 000. Et on a quand même quelques survivants dans les forces locales et civiles. Et on a un mort, évidemment. C'est bon, on rentre à la base. Alors c'est vrai qu'on est en train de poursuivre celui-là. Allez. Putain, c'est une corvette. On suit. Et là, on va essayer de l'abattre. Allez. Allez, on l'engage. Ah, on est dans leur dos, c'est pas mal ça.
Allez, Archange, ça va être à toi de jouer. Ok, Archange. Tu files là maintenant, tu vas servir de d'appât. Ah, il a pas de suivre ce con. Le Condor 2. Tu viens là. Ah non, pas bon. Pas bon du tout. Ah ouais, il va poursuivre le Condor 2 du coup. Si Archange, tu pouvais venir le troubler un petit peu là. Ok, Archange, tu vas partir ici. Putain, dommage que t'aies plus de munitions, hein. Ah, il va pas te lâcher, hein, lui. Il va pas lâcher mon. Non, tant pis, on va essayer de se le faire avec le Condor. Bon, Archon, on va te faire rentrer à la base. Toi, on n'a plus besoin de toi. Ah! Oh oui! T'as pas un deuxième missile? Oh putain! Dommage! Accélère un petit peu tout ça. Alors, allons voir. UFO 18. Intercept. Merde! Ah, j'ai envie de le lancer, tant pis. Hein. Allez, on le lance. On engage. Allez, achève-le. Voilà, c'est fait. Ok, site de crash. Intercept. Avec, d'abord, il faut que j'aille voir. Hop, 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 hop. Il faut que j'aille voir mes troupes. Alors, l'araignée, ouais, ils sont que 4 là. Alors, Elnoreur, tu vas passer une assignède. Il me faut donc du heavy weapon. C'est ce qui me manque. Et du rifleman.
vertigo. Tu vas aller sur l'araignée. Eh, mais est-ce que j'ai assez de d'armure aussi pour les équiper? Oui. Non, pas toi, n'importe quoi. Jet Set, tu vas y aller, ouais, si, si. Je vais t'assigner sur l'araignée. Il me manque un mec qui va tirer du lourd, là. Toi, serait pas mal, peut-être. Voyons, voyons, voyons. Pas mal. Bien. Ok, tu vas sur l'araignée. Il m'en manque encore un sur l'araignée. Ah mais Jet Set, quoi, t'es blessé? Ah oui, oui, donc non, tu n'y vas pas. Tu es une assignée, Jet Set. Donc maintenant, il me faut du Rifleman. De nouveau. Donc là, on part encore avec trois nouveaux. Ça va être chaud, ça. Alors, qui va partir chez les petits... chez les bleus? Ah, j'ai quand même Chaka. Caporal, tu vas monter dans l'araignée, donc il y aura qu'un seul nouveau et bah le premier de la liste, l'empereur. Ah non, c'est l'empereur de l'humanité, c'est un assaut. Aikiko, tu vas dans l'araignée. Ok, alors maintenant l'araignée, voyons ça. Jackal Armor, moi j'en ai déjà une. Toi, t'en as déjà une, Zaz. T'es que caporal, Zaz. Ah non, t'es capitaine, pardon. Tant pour moi. Toi, tu vas t'équiper. Bis, tu t'équipes. Et tu vas nous prendre... une grenade comme ça, en plus. Chaka, Jackal Armour, me dites pas qu'il va m'en manquer une, il va même m'en manquer deux. Ah merde. On va attendre que l'autre vaisseau rentre. Hein. Le cafard rentre. Il y est. Normalement, comme ils sont morts, j'aurais dû les récupérer. Puisque j'ai eu deux morts. J'aurais dû récupérer deux... Ouais, pas normal ça. Bon, alors, toi tu t'équipes normalement par contre. Et toi aussi, pour permettre à ceux qui se trouvent dans l'araignée de s'équiper. Lui filer une grenade de plus et ce sera une grenade d'assaut. Et tu tues. Ah, une fois que tu vas avoir ton armure, tu vas plus avancer par contre. Donc ça se barre 44. Bon, on va faire avec, hein. On va faire avec. Il me faut des nouveaux, hein, il faut les entraîner. Ah ouais, ce sera vous deux. Alors, on revient là. Le crash sheet.
Et on envoie donc l'araignée. C'en est où là sur ma base numéro 2? Ah oui, j'ai toujours ça à construire comme un con, j'ai oublié de le construire en temps et en heure. Ok. On a des trucs à vendre si nécessaire. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font comme recherche? Je m'en rappelle plus du coup, comme j'ai pas joué la semaine dernière. On en est où là? Alien Electronics, Directional Thruster, Wolf Battle Armor. Ok. Bon, allez. Avant la nuit, ouais, c'est bon. On engage. On engage la baston. Un cadre champêtre. Et j'ai mal placé, j'ai pas placé mes troupes avant dans le vaisseau. Ok. Un cadre champêtre. Donc on va voir ce que ça donne. Viens là toi. Rien ici, rien là. Bis. Allez, viens là, bis. Vertigo. Matt, tu vas venir là. Vertigo, tu vas venir là. Chaka ici. Toi, tu vas quand même venir me vérifier qu'il n'y ait personne par là. Que je vais amener mon tireur de litre. Toi tu vas t'accroupir. Où c'est que je vais aller moi? Là je serais pas mal je vais me placer ici pour le moment. Allez, fin du tour. Oh, il y a du paysan qui a pris ou quoi? Et ça, ça ressemble à un éclaireur, ça, un disque volant. La manière dont ça a tiré. Bien. Thank you.
quoi, je vais t'amener là. Allez, tutu. Hop, tu t'accroupis, mon tutu. Zaz. Tu viens là. Moi. Aurais peut-être dû me mettre dans l'autre sens. Quand même y venir. Et je quand même jeter un coup d'œil de ce côté. Ça a l'air d'être bon, hein. Et toi, gamin? Tiens, viens ici pour le moment. Ici. Allez, mat, avance. Accroupi. Mais toi, tu continues à le couvrir. Ah! J'ai eu des blessés, je crois. Pas trop grave, mais. Ouais, quand même, hein. Tutu t'a morflé, putain. Viens là, tutu. Comment ça? T'as pas assez de points de déplacement. Ici, le fourreur t'a pris un petit peu aussi. Restez là pour le moment. Matt, viens voir ce qu'il y a là. Viens ici. Toi, tu viens là. Chaka. Ok. Là, il y a pas mal de parties à découvrir pour aller jusque-là. En même temps, c'est Zaz. Il est capitaine. Il a du déplacement. J'attends un petit coup d'œil derrière. Ok, c'est bon. Là, il y a une haie, donc ça devrait être peinard. Mets-toi plutôt comme ça. Moi, je vais venir te rejoindre ici. Et toi, gamin, j'ai envie de t'envoyer là. Au taquet, c'est pas possible. Je t'ai envoyé là alors. Ah, pas génial non plus. Ok, pour le moment, je t'envoie là. T'as été blessé, toi? Non, bis, c'est bon. Par contre, non plus. Même le bouclier a pas pris. Allez, fin du tour. Raté. Raté. Bravo, les gars. Encore, encore. Bien joué, gamin! Oh, oh putain! Sale nouvelle, des robots. Des robots! Et l'autre qui panique. Et puis tu rembarres qui panique. Du calme, les enfants. On a déjà affronté ces robots. Du calme. Toi, viens ici. Zaz. Toi, gamin, là, c'était vraiment bien joué. Des putains de
robot, excusez-moi. Alors, comment je la joue là? Il y en a un qui se balade par là. Tutu, il est blessé, il est... Oh, pas bon, pas bon, pas bon. Ouais, ce serait peut-être pas mal ça. Viens là. Viens là, Matt. Pivote. Tu t'accroupis. Et toi, gamin. Si je t'amène là, ça donne quoi? 13. Allez, approche. Fin du tour. S'il pouvait me laisser respirer ce tour-là, je pourrais peut-être... ça arrive les gars, ça arrive! Pas de lob du tout là! Bon, on va commencer par te soigner toi. Je vais pas pouvoir. Et merde! Et merde! Bon, accroupis-toi. Le fourreur, est-ce que t'as morflé? Vertigo, est-ce que t'as morflé? Le fourreur, t'es pas là, t'es pas dans toutes les. T'es pas dans toutes les bastons, le fourreur, quand même. Wesh. Il va arriver ici, lui. Il va arriver ici. Il va arriver ici, ça va être très chaud. Je ne sais que faire. Me replier, maybe là. Allez, viens là, replie-toi. Ah, j'ai une roquette alors que j'ai pas de lance-roquette. Je crois pas en avoir pris sur ce coup-là. Allez, soigne-toi, camarade. En carton, tu vas venir en plus te protéger là. Quant à toi, gamin, tu viens là. Ah, je pourrais peut-être t'amener ici, remarque. 20. Reste là. Zaz, progresse jusque là. Jusqu'ici. Il va apparaître, ça va être très chaud. Allez, on y va. Wesh. OK. Par là pour voir ce qui t'est possible de faire. Toi, approche-toi ici. Ici, tout le monde continue à être prêt à tirer.
Fin du tour. Là, je crois qu'il y a du civil qui est en train de se faire démonter. Zaz, tu me jettes quand même un petit coup d'œil là. Voilà. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir ici. Et ici, on reste comme ça pour le moment. Au centre. Quoi? D'où? D'où? D'où est-ce qu'il s'est fait toucher, le gamin? Ah putain, il est en panique. Oh, tu m'étonnes. Y'a de quoi. Je l'ai pas vu arriver, ce con. Alors, ça va pas être facile, cette histoire. Une petite grenade dans la gueule, peut-être. Hein, peut-être lui coller une petite grenade. Toi, d'abord, est-ce que tu le vois bloqué à 100%? Et à la grenade, ça donne quoi? Bloc à 100%. Il te faut combien pour la balancer, la grenade? Ah non, c'est bon, 51. 50, 42 TU, hit 51%. Ah, est-ce qu'il veut dire que je peux me chier dessus? Tant pis, tente le coup. Allez, gamin, te chie pas dessus, hein. Oh, je crois qu'elle est tombée par là. Pas bon du tout. Merde. Bon, on verra ça après. Zaz, viens là. Faudrait économiser ces putains de grenades aussi, hein. Est-ce que je le vois? Eh ouais, mais j'ai le camarade. C'est qui bloque? Non, c'est le... Non, ça va, c'est le... Allez, feu. C'est le tracteur. Yes, j'ai remis 25. Je sais pas du tout où est ce putain... Mais si, elle est là, la grenade. C'est bon, on dirait. Allez, on va dire qu'elle est là. J'ai bien l'impression qu'elle est là, hein. Bon, Zaz, tu t'accroupis. Et tu en colles une. J'ai cru qu'il allait riposter. Encore. Bien, on va récupérer son arme. Ah ouais, elle est en dessous, la grenade. Putain. Viens me faire un petit tour là, Vertigo. Quant à toi, tu viens là. Ah ouais, mais du coup, quand ça va péter, ça va détruire son arme. Merde! Et moi j'ai déjà bougé, je peux pas les récupérer. Et si je viens là, il me reste plus que 3, ça va exploser. Et je vais me faire blesser, et ben je vais pas récupérer l'arme, mal joué. Ah putain, putain. Oh putain! Ok. Bon, ça va pas nous empêcher de progresser tout ça. Alors toi avec ton bouclier en carton. Te faire venir ici. 34. A voir ce qu'il y a là.
c'est peinard. T'as déjà bougé, toi. Vertigo, je vais t'avancer un petit peu. À te soigner après. Eh ouais, putain, son arme elle a explosé. Merde! On va quand même aller vérifier, mais je pense que c'est mort. Toi, tu te soignes. Bon, Zaz, tu continues à surveiller ici. Toi, avance-toi là. Toi, si je pouvais t'avancer ici, ce serait pas mal. Ouf, pas bon. Raté. Ah, il a pas beaucoup de précision. Donc il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. On va peut-être lui coller une grenade comme ça là. Pour le couvrir. Allez, protège. Moi, je vais. Là déjà. Moi, je vais venir ici. Ici, il y a le gamin qui soigne. Zaz, ok, et toi et ton bouclier, tu vas rester là aussi. Allez, fin du tour. Il s'est replié, cet enfoiré. Si j'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Rien. Rien de rien. Alors. Rien, non, je ne vois rien. Putain de merde, là, c'est à découvert. Si ce n'est ce tronc d'arbre. Comment je me la joue là? Ah! Me dites pas que j'ai un bug? Ah, bon. Comment je me la joue là? Toi, t'as pas de grenade. Je pourrais peut-être en balancer une ici et faire progresser mes deux bonhommes.
C'est-à-dire moi et... Ouais, ici. Et toi, tu peux venir jusque là. Mais alors, par contre, si je viens là... 12. Et faire avancer en deux temps. On va tenter le coup. Après, ça va cramer, ça. Sauf si je rebalance ma grenade ici. On va progresser par là. Toi, tu restes là. Toi, je t'amène ici. Tu me claves la porte. Et tu t'accroupis, tu tues. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu vas te rééquiper de ton M16. Tu vas quand même me jeter un petit coup d'œil ici, même si je n'y crois pas. Forcément, il y aura que des débris au sol. Bah oui, et oui, et oui. Fais chier ça. Accroupi. Fais chier parce qu'en face, c'est du robot, quoi. Et est-ce que je peux péter cette balissade en tirant dessus? Raté. On réessaye. Bloc à 100%. Et ben voilà. Bon, tant pis. Qui n'a pas bougé? Zaz. Tu couvres là en même temps, Zaz, hein. Et toi? Avance-toi juste un peu. Il envoie un. Il est là. Est-ce que toi... Un. Allez, reviens ici. Fin du tour. Ok, reviens. Il y est toujours. Va pas être facile à faire ça. Ça va pas être facile à faire ça. C'était pas raté, ça va. Du coup, tu viens de planquer là. Ok, toi tu ouvres la porte. Pardon, toi tu ouvres la porte. Tu le vois en plein bloc à 100%. Tire, essaie de péter le mur. Non, ça se pète pas comme ça le mur. Ferme la porte. Il peut pas fermer la porte. Bordel de merde. Plutôt moi qui vais venir là.
Viens là. Et toi, tu vas le suivre et tu vas te coller ici. Tu te replies, inutile. Ah, tu peux peut-être y en coller une, remarque. Avant de te replier. Allez, tiens. Dommage. Allez, planque-toi. Ok. Ah oui, ça craint pour toi là. Hein. Ça craint un petit peu pour toi si jamais il bouge. Mon tutu. Et tu peux rien faire, et tu peux pas fermer la porte, tu peux rien faire. Ouais. Maintenant, il y a de la fumée devant. Putain, il se barre. Et plus personne ne les voit. Et de toute façon, ça fait déjà une heure, un peu plus d'une heure que la partie est commencée. Donc, ben, je vais vous laisser pour cet épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt. Pour le prochain épisode, ciao ciao! Et à bientôt évidemment. Ah si, je voulais faire une petite annonce. Je tourne aussi un petit let's play sur un jeu de hockey, donc ça n'a rien à voir avec mon 12 Bellicus. Et vous pourrez le trouver dans la section à part ça, dans la vidéothèque. Voilà. C'est un let's play sur du jeu de hockey sur NHL 04 avec le mode Rebuilt et avec le mode Vintage. Et donc je joue la saison 95-96 avec les Penguins Pittsburgh. Donc si vous aimez ça, bah, allez voir. Bon, je suis pas très bon, hein, je débute, mais je me fends bien la gueule. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Non, à bientôt. Et à bientôt d'abord sur mondousbellicus.fr, bien sûr. Ciao, ciao!